Bonsoir, chers amis, bonsoir, bonsoir. On va parler ce soir à Assimi Goïta. On va parler à Assimi Goïta, on va parler à Sogel Maïga et comment Abdoulaye Maïga, qui a été pris en flagrant délit de mensonge. Tout à l'heure, vous allez vous écouter la vidéo. Voilà, parce que ce monsieur est un menteur. Vous allez l'écouter tout à l'heure, il était sur une chaîne de télévision qu'on appelle Koura Mali. Où vous voulez faire croire au monde entier que depuis que le Mali n'a jamais le soutien des pays africains. Voilà. Depuis que ce pays est en crise, ils n'ont jamais eu le soutien des pays africains. Alors, on va le dévoiler tout à l'heure. Mais avant ça, je voudrais que vous partagiez énormément la vidéo parce que je vais dire ce qui est essentiel. Alors, depuis aujourd'hui, 12 heures, nos chefs d'État africains de la sous-région sont actuellement au Mali. Voilà, ils sont au Mali, je pense qu'ils devaient maintenant rentrer. Ils sont allés s'entretenir avec Assimi Goïta pour trouver des solutions pour la libération de nos otages. Je dis bien otages, moi je précise bien, j'ai dit de nos otages. Voilà, Assimi voulait faire deux. Un moyen de pression pour nous faire du chantage. Assimi Goïta voulait, par ses soldats, après, avec la prise d'otages, pousser nos militaires à se soulever contre le pouvoir du président Ouattara et faire de sorte que la CEDEAO actuelle soit occupée, à part le Ghana, tous ces pays, soient occupés par des forces spéciales. Malheureusement, dans nos communications, nous avons vu clair. Nous avons vu clair dans le mouvement d'Assimi Goïta. Parce que nous savons, ceux qui sont derrière Assimi Goïta, se trouvent certains Ivoiriens qui n'aiment plus la Côte d'Ivoire, qui sont devenus des traîtres. Moi, je les appelle des traîtres. Quand on dit trahison, là, c'est ça qu'on appelle trahison. C'est-à-dire que vous laissez votre propre pays, la terre de vos ancêtres, et vous partez vous associer au Mali pour faire du Mali une base qui va déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on appelle trahison. Comme les gens ne connaissent pas, là, c'est ça, trahir. C'est-à-dire trahir toi-même ton propre pays. Ton pays est confronté à une situation ou bien comme hier vous étiez au Burkina Faso, du Burkina, vous avez peut-être réussi à faire un coup d'État. Alors pour vous, il faut aujourd'hui se cacher au Mali pour faire un coup d'État. Moi, je parle de Diom Soré, ses partisans, Diom Soré, ses amis. Alors dites-leur que ça soit dit, ce ne sera pas possible parce que les réseaux sociaux, là, moi, c'est pour ça que je salue tous ces gens, cyberactivistes, leaders d'opinion, les leaders d'opinion comme nous, les cyberactivistes, tous ceux, en tout cas, qui les premiers jours ont pris la parole. Parce que si on les laissait continuer, ils allaient atteindre leurs objectifs. Si on les laissait continuer, ils allaient atteindre leurs objectifs. C'est-à-dire faire passer la Côte d'Ivoire comme ce pays qui veut servir de base arrière pour déstabiliser le Mali. Le Mali à quoi? Et puis nous, à déstabiliser le Mali. Le Mali à quoi? Eux là, ils ont quoi? Et puis nous, à les déstabiliser. Le Mali a trop de problèmes. La Côte d'Ivoire, je l'ai dit, je l'ai toujours répété, je dis depuis que pourquoi le président Ouattara a mal? Quand il a pris le pouvoir, il a formé un forum des chefs d'État. Alpha Condé en Guinée, Ibeka au Mali, et puis de l'autre côté au Burkina Faso, Roch Kabore. Pour qu'ensemble, ils réfléchissent pour développer la sous-région. Lui voulait profiter de ses réseaux, il a commencé à profiter de ses réseaux, et il a mis ça à la disposition de ses chefs d'État. Au Burkina, on a commencé à avoir des ponts, des routes, au Mali et autres. Le président Ouattara et la France faisaient tout ce qu'elles pouvaient faire pour aider le Mali. Pour aider le Mali à sortir de cette précarité, de cette misère. Malheureusement, Ibeka n'a pas su gérer son pouvoir. Il a fait confiance à ces mêmes personnes depuis les indépendances. Leur camp de Kati là, est devenu maintenant, je ne sais pas c'est quel ennemi. C'est des camps de Kati, dans les pays spécialisés, dans les pays développés. On crée des camps militaires pour lutter contre les djihadistes, les terroristes et les bandits de grand chemin. Chez nous, en Afrique, on crée des forces spéciales pour déstabiliser les régimes politiques. Et certains, de façon ignorante, font croire que c'est pour libérer l'Afrique. Moi, je les entends dire ça beaucoup. Hein. Le Mali va libérer l'Afrique. Le Mali va libérer l'Afrique. Assimi Goïta, digne fils de l'Afrique. Je suis l'Algérie. Mais après, mes larmes coulent, je dis, mais ceux qui parlent comme ça, là, ils vivent en Afrique, ou bien ils vivent où? Ils vivent sur quelle planète?
C'est Mali là qui va libérer l'Afrique. C'est Mali qui va libérer l'Afrique. Mali qui est coupé en deux depuis combien d'années? Un pays, ce sont 10% du pays, est occupé par les djihadistes. Un pays qui a commencé son indépendance. Depuis les indépendances, ce sont les coups d'État. 5 coups d'État. Mali aujourd'hui est le premier pays producteur de coups d'État. Premier pays producteur de coups d'État. Un pays où les militaires sont toujours dans les rues, avec la complicité des imams en train de déstabiliser les régimes politiques. Et il y a certains qui pensent que c'est normal. Il y a des gens qui croient que les militaires peuvent changer l'Afrique. Il y a des gens qui croient que les militaires peuvent être une solution à l'Afrique. Ce n'est pas vrai. Vos militaires-là, ils ne sont pas préparés. Aujourd'hui, regardez le monde actuel. Regardez aujourd'hui l'armée en Russie, en Ukraine, dans tous les grands pays. Regardez hier quand les États-Unis et Taïwan, quand les États-Unis ont voulu, on a vu la réaction de l'armée chinoise et l'armée de la Thaïlande. Mais on a vu des choses. C'est ça qu'on appelle désarmer. Chez nous, là, c'est des voyous, c'est des délinquants, c'est des bandits de grand chemin. Ils traitent avec les djihadistes, les terroristes, et ils narguent les pauvres. Parce que le Mali, quand vous arrivez au Mali, là, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, la plupart des cyberactivistes, c'est des griots. La plupart, là, c'est des griots. Ceux-là, on les appelle des griots. C'est des enfants, c'est un groupe d'enfants, de parents qui ont des mines d'or. Ils prennent les vivants, ils vont vendre l'or à Dubaï. Ils créent des grains, ils s'assoient là autour des thés là. Et puis ils font des commentaires de panafricanisme, des commentaires d'indépendance, de souveraineté. Ils racontent n'importe quoi. Je vais les dévoiler tout à l'heure, chers amis. Bon, partagez la vidéo, mais avant ça, je voudrais répondre à un monsieur. Je vais répondre aux préoccupations des partisans d'Assim Gouattara d'abord. Il y a un qui a fait une vidéo parce que pour lui, le président Alassane Ouattara a envoyé une délégation composée d'Ali Keïta, Ali Koulibaly, qui est son conseiller, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères, Ali Koulibaly et puis deux hommes d'affaires maliens. Je vais vous faire écouter cette vidéo rapidement. Parce que je fais cette vidéo parce qu'ils identifient toujours Sassou. Tu vois, quand ils font leur vidéo, ils identifient Sassou. Donc moi, je suis obligé d'amener leur vidéo. Envoyez-leur ma vidéo, dites que Sassou dit. Il va vous répondre. Écoutez-les bien. Vous avez quelques secondes pour écouter. Puis moi, je vais dire le fond de ce qu'ils pensent. Alors, demain, je vais publier ça pour ceux qui comprennent le bambara. Comme moi, je n'entends pas, je ne sais pas, c'est... Voilà. Donc, je suis obligé d'appeler au secours certains de mes frères, mes amis maliens, ceux qui ont grandi en Côte d'Ivoire, pour leur dire de m'expliquer. Souvent, les vidéos durent une heure, ils m'appellent et puis ils m'expliquent tout. Moi, je voudrais encore leur dire bravo parce que c'est leur manière de m'aider à comprendre ce que disent Assimi Gouta et leurs frères. Il dit... On envoie une délégation, parce que nous sommes maintenant dans la phase de la diplomatie depuis un certain temps. Ali Koulibaly et des hommes d'affaires maliens, qui sont en Côte d'Ivoire, étaient au Mali pour voir leur guide religieux, pour parler à Assimi Goïta. On dit qu'il est influenceur de tous les guides religieux. Donc, il va voir Assimi Goïta pour qu'une solution soit trouvée. Alors, les cyberactivistes du Mali, comme ils ont eu des informations, parce que là-bas, eux, ils communiquent directement avec Maïga et tout le monde. Donc, tout ce que nos autorités font au Mali, eux déjà, ils sont informés. Voilà, eux, ils sont déjà informés. Ils appellent les cyberactivistes et puis ils leur expliquent tout. Alors, dans son angle de communication, ce qu'il veut dire, il dit, nous, on a parlé de libération sans délai. Oui, sans délai, parce que pour nous, nos soldats ne sont pas
des mercenaires. Le premier jour, quand on arrêtait les soldats, à partir de midi, les heures qui ont suivi, Assimi Goïta les appelait des mercenaires. Ce qui n'était pas normal. Quand tu arrêtes des soldats, il n'y a que la justice seule qui peut les traiter de mercenaires. Tu ne peux pas les arrêter, appeler les fraternels Niamsi, les cyberactivistes, les Sekou pour dire « Ah, nos soldats sont des mercenaires » parce qu'on appelait les autorités d'Abidjan, ils ont dit au téléphone que non, ils ne reconnaissent pas nos soldats. Donc ce sont des mercenaires. Non, c'est la justice qui a habilité à dire que nos soldats ne sont pas, sont des mercenaires. C'est la justice qui a habilité à dire que nos soldats sont des mercenaires. Ce n'est pas Assimi Goïta et ses cyberactivistes. Et c'est ce qu'on a remarqué sur les réseaux sociaux avec celui qui est malade, avec le premier ministre qui est actuellement malade. C'est ce qu'ils ont dit. C'est nos réactions sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, quand on a été très offensif, ils ont compris là qu'ils ont fait des erreurs. Assimi Goïta se lève, il amène nos soldats devant la justice. Il confie maintenant le dossier au procureur pour que le procureur maintenant démontre à plus B que nos soldats sont des mercenaires. Ça, c'était déjà du faux. Ils avaient déjà fait du faux. C'est pour ça que moi, je n'ai pas... Je l'ai dit, si c'est moi seul, moi, je n'ai pas affaire à eux. Parce que ce sont des comédiens, ils font de la démagogie, ils font du dilatoire. Ce sont des comédiens, ces puchiches qui sont au pouvoir au Mali. Alors, il dit, pourquoi ce sont des jeunes, leur groupe là, comme la plupart, c'est ce qu'ils ont dit aujourd'hui, pourquoi la CDAO fait la pression contre Assimi Goïta? Pourquoi tout le monde demande à Assimi Goïta de libérer nos militaires? Mais pourquoi eux aussi ne font pas pression contre le président Ouattara? Parce que le président Ouattara organisait des mercenaires pour aller déstabiliser Assimi Goïta. On n'a pas de pression à faire sur le président Ouattara. Non, non, non. Personne n'a de pression à faire sur le président Ouattara. Parce que le président Ouattara, il a raison. Les premiers jours, vous lui avez dit que ces soldats sont des mercenaires. Vous avez demandé qu'il envoie les preuves. Il envoyait toutes les preuves. Le Conseil national de sécurité en Côte d'Ivoire, présidé par le chef de l'État, s'est réuni et ils ont envoyé toutes les preuves au Mali. Malgré cela, ça n'a pas suffi. Vous avez insisté parce que dans votre logique, il faut humilier le président Ouattara. Il faut que nos forces spéciales se soulèvent contre le président Ouattara. Il faut qu'il y ait un coup d'État contre le président Ouattara. C'était ça votre plan. Mais nous, on a déjà compris depuis le début. Nous, on ne sera jamais chez Théo. Le gouvernement fait sa part, nous, on fait notre part. Le gouvernement fait sa diplomatie, nous, on vous dit la vérité. Voilà. C'est pour ça que je salue Marc Zuber qui a créé les réseaux sociaux. Parce que là, nous, on n'a pas sentiment. Tu fais tes conneries, nous, on ne tourne pas à gauche, à droite, on veut te dire la vérité. On ne va pas jouer avec toi. Voilà. Ils disent que oui, la CDAO doit faire pression sur le président Ouattara, que si on fait pression sur Assimi Goïta et que Assimi Goïta libère les soldats, la CDAO demain peut aussi arrêter Assimi Goïta. Ça, c'est leurs arguments. Hein. Que demain, quand Assimi Goïta ne sera pas au pouvoir, la CDAO peut aussi poursuivre Assimi Goïta. Qu'est-ce que les Maliens vont penser du fait que Assimi Goïta a déjà dit que le problème est aux mains de la justice? Assimi Goïta ne peut pas dire le problème aux mains de la justice et puis va laisser certaines personnes l'influencer et libérer les militaires. Chers amis, moi j'ai compris votre pensée. Et c'est la pensée de Guillaume Soro, c'est la pensée de tout le monde. Mais en réalité, là, il n'y a pas de justice au Mali. Les puchistes qui sont au pouvoir, là, ils sont illégaux. Ils sont illégaux. Ils sont illégitimes. Cela, ce n'est pas à eux de faire la justice au Mali. C'est parce que là-bas, là, vous, là, vous êtes des incultes politiques. Vous n'êtes pas des démocrates. Au Mali, là, normalement, vos procureurs, vos juges, là, quand Assimi Goïta envoie un dossier, ils vont dire non. Non, tu ne peux pas saisir la justice parce que toi-même, tu as fait un coup d'État. Toi-même, tu as porté atteinte à la sûreté de l'État. Tu as déstabilisé les institutions de la République. Allez dire ça, c'est pour moi, j'ai dit ça aux gens. Assimi Goïta ne peut même pas saisir la justice, Manier. C'est pas... Regardez ce qui se passe actuellement. J'ai publié le procès, mais je vais revenir dessus tout à l'heure. Assimi Goïta n'a pas le droit même de saisir un procureur. Un procureur qui est allé à l'école, qui a fait des études, et qui est censé défendre le pays. Assimi Goïta n'a pas le droit de le saisir. C'est parce qu'on est en Afrique qu'Assimi Goïta peut se lever pour aller saisir un procureur pour des affaires de justice. Non, ce n'est pas possible. Assimi Goïta a fait un coup d'État. Abdoulaye Maïga a fait un coup d'État. Ce sont des puchistes. Quand vous n'aimez pas qu'on vous appelle puchiste,
Parce que je l'ai entendu dire, non, pourquoi nous on les appelle putschistes? Ça sait pourquoi vous nous appelez des putschistes, mais vous êtes des putschistes. Assimi Goïta a fait un coup d'état, c'est un putschiste. Moi, ça sait seulement, je vais toujours dire que vous êtes des putschistes. Moi, je ne vais pas vous caractériser, vous êtes une jeune militaire. Et vous-même qui soutenez Assimi Goïta, c'est parce que la plupart, vous êtes des analphabètes. Moi, je vous dis ça. Parce que des gens qui ont été à l'école, des gens qui ont été à l'école ne peuvent jamais soutenir une jeune militaire. Qu'est-ce que le président Ouattara a dit de mauvais à la BCO, à la tribune de l'ONU? Le président Ouattara était clair. Les premiers jours, c'est vous-même qui avez dit, c'est vous-même qui avez appelé, comment on appelle ça, le Togo. C'est vous qui avez appelé Lomé de venir participer aux négociations. Le président Ouattara a reçu le ministre des Affaires étrangères du Togo. Il a reçu. Il a même dit à ses cadres, prenez tous les dossiers, allez-y au Mali, allez-y au Togo, présentez tout. On est arrivé au Togo, on a fait sortir tous les dossiers. Même les passeports des pro-Assimi Goïta, parce que c'est ça que j'ai dit toujours aux gens de mon gouvernement. Et ça, ce côté m'a beaucoup énervé, hein. C'est seulement je vous dis la vérité. Pendant que nous, on est en train de se battre, déjà Assimi Goïta, le putschiste, ses partisans rentrent en Côte d'Ivoire. Ces hommes, parce qu'arrivés là-bas, nos autorités ont montré les passeports des proches collaborateurs directs d'Assimi Goïta. Nos autorités ont montré les passeports. Ils passent par notre aéroport. Les putschistes là, leurs propres gens, leurs gars, ils viennent faire des affaires à Abidjan. Nos cadres ont montré ça là-bas. Pour un débat qui concerne les militaires, le Mali a envoyé un ministre de l'économie. Parce que le Mali voulait que la Côte d'Ivoire donne de l'argent. C'est important que vous partagez pour qu'ils aient cette information. Ils ont besoin de la Côte d'Ivoire pour qu'on les aide auprès de l'UMOA. À la fin des choses, vous avez tous compris. Ils ont libéré nos soldats, trois soldats. D'après eux, ils disent que c'est un acte humanitaire. Mais quand ils ont dit que c'est un acte humanitaire, c'est pour faire une vidéo où il a dit qu'il essayait de m'attaquer. Mais moi, les gens peuvent appeler ça acte humanitaire. Moi, je suis un intellectuel. Moi, je ne peux jamais appeler ça acte humanitaire. Je suis désolé. Et dans tous les pays civilisés, dans des pays pour nous, les intellectuels, c'est en temps de guerre qu'on échange des otages. La Côte d'Ivoire et le Mali ne sont pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre pour qu'on nous dise il faut échanger les prisonniers avec des hommes politiques. Ça, c'était encore des grosses bêtises. Assimi Goïta, cet inculte au pouvoir au Mali, avec son frère, comment on appelle ça, Abdoulaye Maïga, ce sont des incultes. C'est en temps de guerre qu'on échange des soldats. Nous ne sommes pas en guerre avec le Mali. On sait qu'en prenant nos soldats en otage, c'est une déclaration de guerre. Nous savons. Mais le président Ouattara, je vais dire aux Maliens, le président Ouattara, c'est votre Dieu. C'est aussi votre Dieu. Hein. J'ai dit à Soro même il y a longtemps, il y a pas, depuis le début, j'ai dit à Soro, il serait plus sage pour toi de vénérer le président Ouattara, de le glorifier. Parce que depuis qu'il est au pouvoir, tu as assez de chance. Tu as assez de chance, toi, John Soro. Les Dogo Blé, les autres abbayes, eux tous, ils ont fait la prison. Mais toi, tu te promènes, toi, Soro. Si le président Ouattara, si quelqu'un n'est pas gentil, toi, Soro, tu ne peux pas te promener. Pour arrêter Soro, là, c'est facile. Où Soro est là? Abidjan, c'est. Le pouvoir, c'est où Soro, c'est tout. Il suffit seulement d'actionner Interpol, on va arrêter Soro. Et j'ai dit ça toujours aux gens de Soro. J'ai dit ça au Franklin Niamsi qui est sûr. J'ai dit, c'est pas le président Ouattara là. Il réfléchit tellement beaucoup. Parce qu'il ne veut pas que le malheur de Soro vienne de lui. Il veut, parce que, ça dit, Soro, il sait que Soro fait pitié. Moi, je vais dire la vérité à certaines personnes. Vous savez pourquoi Soro, avant qu'on ne revienne sur le sujet de l'ingratitude des gens vis-à-vis de choses là, la Côte d'Ivoire et puis la France là, vous allez voir ça tout à l'heure. Mais il y a une vérité que je voudrais dire aux gens. Partagez la vidéo, ils sont en train de déstabiliser. La succession du président Ouattara en 2020, ils ont fait une liste de personnalités qui devaient succéder au président Ouattara quand le président Ouattara a dit qu'il ne serait pas candidat. La liste était longue. Il y a les Patrick, il y a un chose dedans, il y avait Amadou Gon, il y avait Ahmed Bakayoko. Ça, c'est à Yam Sokoura, le président leur a demandé. Bon, moi, je vais partir, vous là, qui veut être candidat? Est-ce que vous voulez être candidat? Mais la liste a été longue. Hein? Moi-même, j'ai la liste. Le président leur a demandé, hein, quand le président a dit en 2020, moi, je m'en vais, me reposer. Il leur a demandé tous, qui veut être candidat?
Amadou Gon, Ahmed Bakayoko, Amontano, il y a l'autre là, comment il s'appelle? Ce monsieur qui a fait, qui a participé à l'insurrection, qu'on a aujourd'hui pardonné, sans aller le faire arrêter devant le président Ouattara. Comme on l'appelle Mabri Touakeus, il était sur la liste. Il était sur la liste. Mais la liste, moi je vous dis toujours, quand les gens, les partenaires, parce qu'un pays, c'est aussi les partenaires, c'est la Russie, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est la Chine, c'est toutes ces puissances-là qui sont aussi là, qui investissent dans le pays. Il y a les hommes d'affaires, il y a les intellectuels, les multinationales, il y a tout le monde, mais il faut aussi les consulter. Et tellement que le président Ouattara, je vous dis qu'il a fait Fonds monétaire international. Il ne prend pas de décision sans consulter d'autres personnes. Il faut les consulter parce que ce sont les partenaires. Ça va être leurs ancêtres qu'on a réussi à développer la Côte d'Ivoire. Non, il faut, parce que eux, ils avaient, la France a plus de 1000 entreprises en Côte d'Ivoire. J'ai dit ça toujours aux Ivoiriens. La France a plus de 1000 entreprises en Côte d'Ivoire. Partagez cette vidéo parce que c'est des cours que je vous donne. C'est des informations que je vous donne, ça peut vous aider. Moi, je vous ai dit, je suis engagé pour mon pays. Je suis un leader d'opinion. Je suis un lanceur d'alerte. Moi, quand il y a une situation, j'informe. Vous pouvez saisir, vous ne pouvez pas saisir, mais moi, je vous interpelle. C'est mon combat qui est là. Et depuis combien d'années, je le fais pour le pouvoir. Dans l'opposition, c'est comme ça que j'ai été au RDN. Je suis un lanceur d'alerte. C'est vrai que je ne suis pas aimé par certaines personnes qui pensent que je vais prendre leur place. Certaines personnes, alors qu'on n'est pas dans un combat pour prendre place de quelqu'un. On est dans un combat pour faire du RHDP un grand parti politique. C'est-à-dire, si demain le président Ouattara n'est pas là, que devient le RHDP? Non, moi, je suis dans une vision. C'est-à-dire, quand Oufoué Boigny partait, il a créé les conditions pour que le président Ouattara vienne. Parce que Oufoué sait, Oufoué préparait déjà son demain. Il sait que si demain il n'est pas là, mais qui va faire les routes? Qui va faire les ponts? Qui va faire les échangeurs? Donc, c'est comme ça qu'il a fait venir le président Ouattara, son fils. Je vous ai toujours dit dans mes vidéos que le président Ouattara, ce qu'il fait là, ce n'est pas un hasard. Son père a été l'un des financiers de Félix Oufoué-Boigny. Son père a été l'un des financiers, c'était un grand commerçant. Quand on voulait mener la lutte de l'indépendance, ses parents étaient des gens dans l'ombre qui donnaient leur argent pour qu'on fasse mener bien le combat. Le combat politique là, c'est l'argent. Quand il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de lutte. Les déplacements, les billets d'avion, les mobilisations, les bâches, les chaises, tout ça c'est l'argent. Tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas être un grand homme politique. Tu peux avoir des qualités, tu peux avoir des arguments, mais quand tu n'as pas l'argent, il y a des zones où tu ne peux pas aller. Avant d'aller dans ces zones, il faut avoir des voitures. Il faut être une délégation, ta sécurité et tout. Non, un combat politique, c'est les moyens. Le père du président Ouattara a été utile à ce moment pour le président Oufoué-Boigny. C'est pour ça que Oufoué est reconnaissant vis-à-vis du président Alassane Ouattara. Il sait pourquoi il a dit, mon fils, après tes études, il faut venir travailler. BCA au Fonds monétaire international aujourd'hui, malgré la haine de Gbagbo, Bédier et de Guy Robert aujourd'hui là. C'est ça qui est la vérité. Que les gens doivent comprendre. C'est ça qui est la vérité. Donc, comme je le disais, les multinationales, eux tous, ont participé au départ du président Ouattara. Il a même dit, il dit, je vais consulter mes amis. Il les a tous consultés. Le premier nom, les gens ont enlevé ce nom de Soro. Le premier nom que les multinationales ont enlevé, c'est le nom de Soro. Le premier nom, ses amis, c'est-à-dire, comment ils s'appellent, les milliardaires qui sont, comme on appelle en Suisse ici. Non, comment ils s'appellent, là, son nom-là. Le président Ouattara, Mo Ibrahim. Les Mo Ibrahim ont été consultés. Les Mo Ibrahim sont des multimilliardaires. Le président Ouattara a consulté tous les Mo Ibrahim, eux tous. Lui-même, le jour de son entretien avec Mo Ibrahim, partageait la vidéo, ils sont en train de déstabiliser. Son entretien à Mo Ibrahim, il a touché le problème, il dit, je vais vous consulter, vous tous. Le premier nom qu'on a supprimé, c'est le nom de Soro. C'est le nom de Soro que tout le monde a... Ils ont vu le CV de Soro, le parcours, eux-mêmes, ils n'ont même pas discuté. Ils ont pris charbon, ils ont barré, le président Ouattara, on ne veut pas ce monsieur, c'est pas possible. Non, c'est comme ça que Soro n'est pas dans la vision, sinon ils avaient créé le poste de vice-président pour donner ça à Guillaume Soro, au RDR. Mais qui a réagi, c'est moi, Zazo. Quand ils ont créé les postes, j'ai eu des rumeurs, là. J'ai appelé mes grands frères, j'ai fait des vidéos. Et si vous mettez Soro vice-président, vous et moi, on ne va pas s'attendre. Moi, je quitte le RHDP. Moi, je leur ai dit ça. Si Soro est vice-président du RHDP, moi, je quitte le RHDP.